Eh bien salut les amis, c'est Carvendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Crash Bandicoot & Sane Trilogy. On avait fait les niveaux 1, 2 et 3 il me semble, hein. On était jusqu'au 3ème niveau non? Ouais, on était jusqu'au 3ème niveau. Donc on va partir au 4 puis 5 et normalement il va y avoir un boss, je pense. Je sais pas comment, je sais pas où se place le boss mais... J'ai rien compris ce qu'il a dit. J'ai rien compris. Il pouvait pas parler français. Je ne sais pas. Je crois qu'il était en train de mâchouiller. On y parlait, je ne sais pas, j'ai rien pigé. Bon, débloque un nouveau chemin en gagnant une gemme rouge ailleurs. Oui, bien sûr, je sais, mais j'ai pas envie. Parce que je la trouverai jamais, la gemme rouge. Donc voilà, faut pas exagérer. Oh. On va se faire poursuivre par un dino. Ouh là là, oh, par contre je vais casser des caisses. Ça va être dur, non? Parce que voilà, oui, on se fait suivre par un dino. Et en plus il y a de la lave, d'accord, comme si ça suffisait pas. Non. Il la casse. Ça compte comme si c'était moi qui l'a cassé, non? On est d'accord? Je suis pas sûr. Oh! Quoi? Attendez, mais il m'avait pas eu. On dirait que si. Allez, là il vient. Oh, mais j'arrive pas à voir ce que c'est de l'eau et ce que c'est du vide. C'est super mal fait. Oh, c'est super mal. Attendez, c'est vrai que... Ah mince, non. Ok, là c'est de ma faute, mais attendez. C'est vrai qu'on peut se... On peut s'accroupir et sauter et ça nous permet d'aller plus loin normalement, non? Il me semble qu'il y a ça. Il me semble qu'il y a ce délire, je sais plus. Mais je crois. Sauf que je pouvais pas savoir qu'il y avait un truc de lave ici, hein. Il m'avait pas prévenu. Oh. Ok. C'est bon, il a tout détruit. Je sais vraiment pas si ça les compte pour moi ou quoi. Hein. J'espère. Ok, une autre pause, c'est ça? J'espère. Ouais, censé être une pause. J'aurais dû aller chercher les fraises. Enfin, les fraises. De quoi je parle? Ça ressemble pas à des fraises, tiens, même non. N'importe quoi. C'est parce que je suis encore sur Céleste, en fait. Encore, quand je disais des pommes, ce ne sont pas des pommes. Hein, mais quand je disais des pommes, ouais, bon, je pense qu'on peut voir la ressemblance. Mais des fraises, Kiavendo, t'as rien compris, c'est pas des fraises. Ça se voit pourtant. Sinon, elles sont bizarres, les fraises que je mange. Bon, alors... Allez, il va me re-suivre ou pas, là? Non, il a pas l'air d'être là. Tant mieux, hein. Il y a un truc derrière moi ou pas? J'espère que non. Pourquoi on est bloqué quand on marche dans les herbes, là? Oh, ah bah oui, c'est ici qu'on trouve le chemin pour aller ailleurs. Ils sont moches ces trucs là. Je sais pas ce que c'est, mais. Enfin, je sais pas ce que c'est censé représenter, mais c'est bien moche. Voilà, c'est bien. Alors la nitro, bien entendu, on ne la touche pas. La nitro, ça explose tout seul. Oh, j'ai cru que c'était un chemin. J'allais marcher dessus. J'étais presque sûr que c'était un chemin. J'aurais une sacrée surprise. Bon, je serais pas mort, hein, mais j'aurais perdu mon Aku-Aku. Aku-Aku. Petit passage secret. Allons voir ce qu'il nous réserve. Ouh, il a l'air un petit peu plus galère que le passage secret de la dernière fois. Ouais, il a l'air d'avoir un petit peu plus de trucs planqués un peu partout. Ok, super. Eh mais, ah oui, c'est vrai, on a toujours l'attaque rodéo. J'avais oublié ce pouvoir. Mais en fait, j'ai oublié plein de techniques, quoi, c'est chaud. Alors là, par contre, je suis en train de me dire que... Ouais, voilà. Ok, fallait bien pas détruire le truc. Ouais, c'est cool, c'est pour une vie. Enfin, c'est déjà bien. Ouais. Ok, très bien. 12 sur 14, bah, c'est bon là, on va tous les avoir. C'est super. Ok, on a toutes les caisses. Enfin, on n'aura pas toutes les caisses du niveau, hein, vu qu'il y en a forcément des caisses dans le passage secret. Et on a 12 vies, c'est ça? Ouais, 12 vies. Je sais pas si un jour... J'arriverai à avoir 99 vies dans Crash. Faut le faire quand même. Alors, je pense que si je refaisais les niveaux de base en boucle, je pourrais y arriver. Mais là, vu que les niveaux deviennent de plus en plus difficiles, ça me paraît impossible à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, si tu veux. Ok, très bien, merci. On fait demi-tour et on récupère les fraises. Les fraises. Ok, très bien, merci pour les vies. 14, waouh, c'est cool ça. Attendez, est-ce qu'il va y avoir un dinosaure qui va revenir là? Un Triceratops! C'est vrai, c'est pas n'importe quel dinosaure. Et bah ben voilà, il est là.
Ok. Allez, on y va les amis, souhaitez-moi bonne chance. Il me poursuit. Oh oh, il y a même des ptérodactyles. Mais c'est quand même... Crash, il vit quand même... Oh oh, mince. Il vit quand même dans un milieu assez hostile. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Crash, il vit quand même dans un endroit où j'aimerais pas vivre. Hein. Là, je veux dire, tout est contre lui. Non, non, non. Ok. Oh 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 oh, ils ont abusé quoi. Maintenant ils mettent de la nitro en plus. Il y a de l'abus là. Il y a de l'abus. Oh oh oh. Est-ce qu'il a explosé la nitro ou pas? Genre, c'est rien, je m'en moque. De toute façon, il nous manquait des caisses. Je m'en moque, je voulais partir au plus vite. Mais oui, souvent les personnages de jeux, comme ça, de jeux de plateforme, ils sont tout mignons et tout, ils sont super gentils, mais ils vivent dans des mondes sacrément dangereux. Hein. Genre, tu sors de chez toi et t'as toutes les chances de jamais rentrer chez toi en vie. T'as tout qui veut te tuer. Tout, tout, tout. C'est exactement ça. Oh, il l'avait caché dans son oreille, d'accord. Mais le cristal, il est plus grand que lui, et pourtant, il arrive à les cacher. Je sais pas comment il fait. C'est parti, on va jouer avec Coco. Making Wave. Comment ça, Making Wave? Est-ce que ça va être un niveau normal? Quand c'est avec Coco, c'est généralement un peu bizarre. On va voir. C'est généralement un petit peu... Waouh! Mais c'est Wave Racer! Attendez, accélérer, figure aérienne avec le bouton L. C'est quoi le bouton L? Je connais pas la manette PlayStation. Je connais pas, c'est ça le bouton L. Alors, ok. Alors, ok. Et ça sert à quoi de faire des figures aériennes? Ça a l'air de servir à strictement rien du tout. Attendez, par contre, moi j'ai jamais réussi à avoir les caisses. Hein. J'ai jamais y arrivé. Elles sont trop petites. Ok. Yeah! J'ai fait une figure ou pas? Je suis même pas sûr. Ok, là il y a une autre caisse. Mais c'est... Mais quoi? J'y arriverai jamais. Et si on sort d'ici? On ne peut pas. On ne peut pas, d'accord. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi on peut pas? Parce que bah, ça serait facile d'arriver à la fin si on pouvait quitter comme ça. Mais ça sert à rien de faire des figures. Pourquoi ils veulent qu'on en fasse? Mais pourquoi ils veulent qu'on fasse des figures? Ça sert strictement à rien. Ah, je comprends pas. On gagne des trucs quand on fait des... Mais d'ailleurs, elle les fait toute seule, ces figures. Moi, j'ai rien fait, hein. Bon, j'aimerais bien avoir toutes les caisses, quand même, parce que ce genre de niveau, il n'y a généralement pas de passage secret, donc c'est pas dur d'avoir toutes les caisses. Bon, en tout cas, c'est stylé comme gameplay, hein. Ok, j'ai pas réussi à avoir de figure aérienne, d'accord. Et j'ai pas loupé un cristal. Non, non, j'ai pas loupé de cristal. Non, non, on va pas faire demi-tour. Pas ici. Oh, oh, ça, c'est dangereux, non? Ah, c'est méchant, hein. Ah, pourquoi il a arrêté de tirer? Il a attendu que je vienne pour arrêter de tirer le bateau. Bah merci, hein, c'est gentil. Allez, petit checkpoint. Ouais, faut pas foncer dessus non plus. Hein. Faut pas pousser Coco sur les bombes. Je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir. Et si je l'ai? D'accord. Quoi? Comment j'arrive à louper des trucs qui sont à littéralement 3 cm? Ah là 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 là, ça c'est du Kerbendo tout craché. Bah, j'adore ce gameplay, mais alors m'arrêter pour devoir attraper toutes les caisses, c'est vraiment pas l'idéal. On devrait avoir une onde de choc ou un truc comme ça. Oh oh. Ouh, j'ai encore eu toutes les caisses, d'accord. On fait attention parce que là les bombes elles bougent toutes seules. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Pourquoi pas faire des bombes qui bougent toutes seules. Ouh. Checkpoint. What? Ouais, très bien. J'ai fait exploser une bombe, je crois. Mais je m'en moque, parce qu'elle m'a pas explosé dessus, donc... si elle explose sur quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Oula! Ok. Ok, ok, ok. Mais attendez, mais ils ont pas abusé un peu sur les bombes, là? Il y en avait un petit peu trop, selon vous? Oui! Ok, c'est bon. Ouf! Kerbendo est tiré d'affaire. Non! Comment j'ai fait pour louper cette caisse-là? Sérieusement, j'arriverai jamais à la voir. J'arriverai jamais! Ah ouais, bah là encore moins, non? Et en plus, il y a un... Oh! J'ai cassé le canoë, ça m'a donné une vie. Ah, le pauvre canoë, je croyais qu'il voulait m'attaquer, puis en fait, c'est moi qui l'ai tué. Ok. Du Camille Kerbendo. C'est bon! C'est bon! Ouf! Bon, c'était bien, mais j'aurais préféré que ce soit une course plutôt que ça, parce que en fait, c'était quand même un petit peu chaud, hein. J'ai perdu bêtement. Enfin,
J'ai pas pu aller aussi vite que je le voulais. J'aurais bien voulu faire le truc genre en mode high speed et tout, mais non, sinon j'aurais loupé toutes les caisses. Je sais même pas si j'aurais eu la moitié des caisses, quoi, c'est pour dire. Ah, je suis nul à ce genre de truc. Et bien voilà, on a eu tous les cristaux. Mais tu vas être fier, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'y a plus qu'un truc maintenant? Bah, c'est le boss! Ok. Et donc, faut battre le boss. Oui, c'est bon, on sait que t'es contente. Super, Coco. Allez. Making Wave. Et donc, c'est parti pour Tiny Tiger. C'est un peu un rival de Crash, non, Tiny Tiger? Écoutons-le. D'abord, il s'appelle Tiny, pas Tiny. Bon, ok, Tiny, Tiny Tiger, voilà. Tiny Tigeux, Tiny Tigé, voilà, on va faire ça vraiment. Oh, Cortex, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, c'est César Cortex. Alors là, faut battre lui, là. Tiny Tiger, qui n'est pas si tiny que ça, parce que je vous le rappelle, enfin, je sais pas si vous le savez, mais tiny, ça veut dire petit. Et il est pas si petit que ça, hein, le tigre, là. D'ailleurs, il ressemble pas à un tigre non plus. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Ok. Il va essayer de m'attaquer, d'accord? Logique, hein? Logique. Et maintenant, je l'attaque, c'est ça? Oh, bah, c'est plutôt simple! C'est plutôt easy! Attendez, il y a des trucs qui vont sortir de là? Oh. D'accord. N'exagérez pas quand même, hein? Et voilà, c'est bon. Et il a que 3 vies! Bon, ça va être facile! Ça va être facile. Mais qui fait la même chose, c'est ça? Ah, mais elle est vraiment nulle en fait. Voilà, ça va peut-être un petit peu plus être un petit peu plus difficile maintenant qu'il va y avoir encore une fois les lions. Ok. Les lions sont vraiment pas sympas. Ok. Oh. Non, 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 du calme, ok. Voilà, alors là, dernière phase. Cortex Maximus! Ok, c'est bien l'empereur romain, Cortex, maintenant. Allez! Bim! Et voilà! Attendez, mais c'est rare que je batte un boss du premier coup! Et pourtant, ça arrive. Pour faire un plat surpuissant, appuie sur la croix pour sauter, puis appuie sur O, au plus haut du saut. Attendez, on vient de gagner un nouveau pouvoir! Réellement? On a réellement gagné un nouveau pouvoir! Je savais même pas que c'était possible! On peut gagner de nouveaux pouvoirs dans le Crash? Mais on n'est pas dans Banjo-Kazooie! Bon, on verra si c'est pareil ou pas en fait. Parce que je l'avais déjà fait l'attaque rodéo. Vous voulez dire que c'est toujours une attaque rodéo, mais en mode plus fort. Ok. Je savais pas qu'on pouvait gagner des pouvoirs. Oh. Bravo, mes enfants. En battant Tiny, vous avez débloqué le portail de la zone temporelle suivante. Retournez au centre de la chronotornade et sauvegardez la partie si vous le souhaitez. Vous verrez ensuite que le portail vers la deuxième zone temporelle est maintenant ouvert. Sauvegarder, hein. N'oubliez pas de sauvegarder, hein. Voilà, donc le portail est maintenant ouvert. Attendez. C'est pareil, non? Bon, apparemment, c'est pas pareil. J'en sais rien. Alors, un nouveau monde. Oui, il faut que je sauvegarde, par contre. Il me l'a demandé, hein. Il m'a demandé de sauvegarder, alors. Sauvegarder. Attendez, mais ça sauvegarde automatiquement en fait, hein. On est à 8% du jeu déjà, ça allait vite en fait. Alors, niveau 6. Quoi? Jiwiz? Jiwiz? Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc? Jiwiz? Pourquoi faut-il toujours que tu nous crées des problèmes? Quoi? Où étais-je? Oh! Tiny était un brave garçon. Il détestait tout et tout le monde, mais au moins il avait bon cœur. Pourrais-tu être plus sympa avec mes sbires la prochaine fois? Pourrais-tu être plus sympa avec mes sbires? T'es sérieux, mec? C'est toi qui nous attaques. C'est lui qui est pas gentil, c'est pas nous. Une case déclencheuse nitro détruit toutes les nitros d'un coup. Ah bon? Ah bon? Je ne le savais pas. On vient de le découvrir. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez, mais ça ressemble au premier niveau, ça! Ça ressemble carrément au premier niveau. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces mouvements complètement imprévisibles là? Ok. Ah, mais maintenant, donc je peux détruire ces caisses là avec une tacrodéo, c'est ça? Ouh, ça change tout! Pas vraiment, non, ça change pas grand-chose au gameplay en fait, mais bon. Si vous voulez, si vous voulez. Ah ah!
Oh, coucou, il m'a fait une feinte! Il a changé super rapidement. Qu'est-ce que. Quoi? Il est sérieux, lui? Qu'est-ce qu'il essayait de me faire? Quoi? Il a envoyé des espèces de. Tours de magie à telle chercheuse, ça existe, ça? Ok. Allez. On récupère encore des petits fruits. Ouais. Ok. On en récupère beaucoup, d'ailleurs, des fruits, hein. Je suis sûr qu'on en récupère plus que dans le jeu d'origine. Ok. Oh! J'avais pas vu qu'il y avait une caisse au-dessus de moi. J'avais vraiment pas vu. Attendez, mais là, ça va être chaud, non? Parce que là, en fait... Attendez. Parce que... Ah d'accord, ok, non. Je peux le détruire comme ça, de sur le côté. Je suis pas obligé de monter dessus. Ok, ok. Bon, ça change pas grand-chose, mais si vous voulez... attendez. Oula, le truc il va trop vite là. Oh non! Oh non! Comment ça il devient gris? Si t'attends trop longtemps le machin il devient gris? Mais je savais pas, ils m'ont pas prévenu. Ah bah ça va faire une caisse en moins, c'est ça? Ah je pense que oui. Oh c'est nul. C'est nul. Oula, toi t'arrêtes. T'arrêtes. Il est trop mignon lui aussi. Enfin, même si c'est un méchant, hein, comme tout le reste. Ils sont pas aussi mignons que dans Kirby, mais ils sont mignons quand même. Ils ont pas l'air si méchants, en fait. Qu'est-ce que quoi? Ah oui. D'accord. Oh, j'ai eu un nouveau Aquaku. Est-ce que je vais avoir l'invincibilité un moment? Parce que normalement, j'arrive toujours à l'avoir, surtout au début du jeu. Mais là, j'en suis pas sûr. Ok, j'ai eu peur qu'il me tue en le touchant. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une poule? On peut la tuer, la poule, ou quoi? Elle est méchante ou gentille? Je sais pas. Je sais pas si ça fait quelque chose de la toucher, la poule, non? Ça a l'air de rien faire, je pense pas. Elle doit être là pour décorer. Mais oui, elle est là pour décorer. J'ai pas eu le cristal, hein. Je vous le rappelle, je n'ai pas eu le cristal. Où est-il? Je sais pas si je l'ai déjà loupé. J'espère pas, quand même, ce serait bête. Mais ce serait du moins tout craché, hein. Oh. Il va falloir aller juste à la fin pour activer le bouton et après revenir, c'est ça? Ouais, ça m'étonnerait pas. Bon. Alors. Ok. Ah, parce qu'il y a 18 caisses, hein, faut pas oublier. Oh oh. Très bien. Non. Ça, je vais détruire maintenant, j'ai pas trop le choix. Alors là, faut que j'aille détruire ça et que je fasse demi-tour. Ok, très bien. What? Pourquoi ils ont mis un autre bouton? Ah, autant tout activer du premier coup, non? D'accord, j'ai pas compris pourquoi ils ont voulu faire un deuxième bouton, mais pourquoi pas. Bon, moi, j'ai tout détruit, c'est super. Et on a gagné plus de 100 petits fruits. Donc ça nous fait directement avoir une vie de plus, c'est cool. J'en ai eu tellement. C'est rare que j'ai autant de fruits d'un coup. Et on a 20 vies! Ah, c'est toujours comme ça au début de Crash, hein. On gagne plein de vie, le compteur il monte, et puis arrivé à un certain point, le compteur il ne fait que descendre. Ah, il est là le cristal, ok. Ben là on va faire attention, ouais. Ok. Oh, ils sont vraiment nuls, hein. Ils sont vraiment nuls à donner des coups d'épée dans le vide. Enfin, vraiment pour nous, la plupart des ennemis, ils essayent pas de nous attaquer directement, ils donnent des coups dans le vide. Tant mieux, hein. Je l'ai balancé sur la nitro, je suis méchant. C'est ça, il me manquait une caisse. Une seule caisse. J'ai la rage. Parce que j'aurais pu avoir facilement le cristal. Ah, ça m'énerve. Non, la gemme. Les cristaux, ce sont les violets. Et les gemmes, ce sont les gris. Bon, bah, on a le temps de faire un niveau de plus, hein. D'accord, je sais pas combien il va y avoir de monde dans ce Crash. J'étais déçu de Crash Bandicoot 2. Parce que la fin, elle est arrivée trop vite. Et le boss de fin, mais alors, c'était une grosse blague. Je sais pas si vous vous souvenez, le boss de fin, je l'ai eu grave facilement. Contrairement à Crash Bandicoot 1, où j'avais dû réussir pas mal de fois, mais le boss de fin de Crash Bandicoot 2, ça avait été d'une facilité exemplaire, et une fois que je l'ai battu, enfin, je sais qu'il y a un boss secret, que pour le débloquer, il faut avoir toutes les gemmes, blablabla, mais non, je veux pas avoir toutes les gemmes pour débloquer un boss secret, hein. Ça m'aurait pris 3000 ans. Je suis sûr qu'aujourd'hui, là, j'y serais toujours pas arrivé. Donc non, c'est hors de question. Mais le boss final... Après, c'est le boss secret, hein, le boss avec toutes les gemmes. Le boss final, il était quand même sacrément décevant. Je sais pas comment ça va être dans Crash 3, mais j'espère que ça va être un petit peu mieux. Ouh, j'aime bien le thème de ce niveau.
Qu'est-ce que c'est que cet ennemi là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord. Ok, et donc moi je l'attaque par derrière, c'est ça? Ok, super. Mais il est nul, il est nul aussi. Heureusement pour nous, ils sont tous nuls les ennemis. Enfin, il y en a qui sont un petit peu moins nuls que d'autres, hein. Malheureusement. Genre vers la fin, les machines là, dans le 2, elles étaient sacrément usantes. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est quoi, c'est un génie? Ouais, c'est un génie. Attendez, je peux y sauter dessus, non? Ok, très bien. J'ai pas besoin de la caisse, hein. Non. Oh. Je suis invincible? Ah, je suis invincible! Ah, j'ai pas vu. J'avais pas vu, ça m'arrive tellement rarement. Donc autant en profiter, hein. Ok. Ah bah lui, il s'était caché, il s'était planqué en hauteur. D'accord. Mais l'invincibilité, elle dure combien de temps, là? Elle dure à l'infini ou quoi? Ah, c'est fini. Ok. J'ai rien loupé. Non, j'ai l'air d'avoir rien loupé. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Quoi? Ah, faut détruire toutes les caisses. Faut détruire tous les vases, d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux? J'aime bien la musique, j'aime bien le thème de ce niveau. C'est cool. C'est en plus un environnement qu'on a rarement vu dans Crash, enfin, qu'on a jamais vu quoi. Enfin, c'est la première fois qu'on est dans un environnement un peu oriental comme ça, c'est cool. Ok, non, on va attendre derrière. Ah mais il y a la caisse là qui va disparaître. Ok ouais. Fallait se dépêcher parce qu'elle allait disparaître donc. Le génie, je comprends pas pourquoi il fait des mouvements comme ça. On peut le tuer, le scorpion, je pense pas. Hein. Ce serait trop facile, je pense, si on pouvait le tuer. Ok, merci. Et là, la salle bonus. Bon, on a eu la gemme. Ça, c'est déjà ça de fait. Le cristal. Mais je fais que de confondre cristal, gemme. Oh non. Ah non. Bon bah au revoir la salle bonus. Je peux pas mourir. Je peux pas mourir. Je peux pas mourir. Attendez, faut que je meure là d'une manière ou d'une autre. Voilà, ok, c'est bon. C'est bon, je suis enfin mort. Mais il faut faire attention parce que en fait. Non, on retourne dans la salle bonus. Ah bah oui, mais j'ai plus mon Aku. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis suicidé? C'était pas grave de louper des caisses. Ok. Oh non, bah, j'ai fait tout ça pour rien en plus. Attendez. Pas sûr en fait. Ok. Eh bah non, j'avais pas fait. Enfin, si, j'ai fait tout ça pour rien parce qu'en fait j'aurais pu y arriver quand même. Ah, c'est nul. C'est nul. Je me déçois là. Je me déçois. Bah, c'est pas la seule fois, hein, mais. Je me déçois souvent quand même. Ok. Ouais, fallait bien ça. Sinon, je pouvais pas aller là-haut. Bah, sinon, je pouvais pas activer le bouton. Ok, très bien. Et la dernière caisse, ouf. Une vie de plus et 20 caisses. Ben, on en gagne même 2 vies, c'est cool. 22 vies, ouf. 55 caisses sur 95. Est-ce qu'on va réussir à toutes les avoir? Je ne sais pas. Hein. J'espère que je ne me suis pas suicidé pour rien quand même. Ah non, là, je serais déçu. Hein. Puis là, pour le moment, j'ai l'impression d'avoir loupé aucune caisse. Hein. Enfin, des fois, j'ai l'impression et pourtant... Et pourtant, Dieu sait que certaines caisses sont bien cachées. Ok. Y'a rien par là. Oh, y'a rien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? En fait, lui, il comprend rien. Ah, il essaye de nous pousser, c'est ça, d'accord. En fait, il nous tue pas du premier coup. C'est bien, à votre question, je serais mort. Hein. Ok. L'espèce de génie, là, sur son tapis. Très bien, très bien. Là, ça l'est un peu moins, par contre. Ah, mais la nitro, elle va réussir à détruire la caisse, non? Ouais, je pense que la nitro, elle détruira la caisse. Ok. Qu'est-ce que quoi? Crash, il se retrouve tout nu, et donc comme il est tout nu, il a honte, c'est ça? Je crois que c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'il meurt, sérieusement. C'est comme ça qu'il perd une vie. C'est ridicule. C'est ridicule. Il a trop honte parce qu'on pourrait voir son zizi, c'est ça? Bon, allez. Vas-y, Crash. Alors, ok, d'ailleurs c'est rare normalement parce que dans les jeux vidéo, ah c'est un singe d'ailleurs lui, ok. C'est rare parce que dans les persos de jeux vidéo, souvent les animaux ils sont nus. Donc ils s'en moquent de perdre leurs vêtements. Et bien finalement là, non ils s'en moquent pas. Est-ce que je fais demi-tour pour aller voir si la caisse elle est bien détruite? Eh, ça vaut le coup parce que là l'interrupteur, enfin la gemme elle est pas apparue.
Bon, ça vaut le coup quand même, non? Elle a bien été détruite. Et pourtant, il y a des caisses que j'ai pas détruites. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Bah voilà, c'est comme d'habitude. Hein. Il y a toujours des trucs qui me manquent. Ou alors, il y a peut-être une caisse à la fin, non? Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Ah si, ok, d'accord. Ok, c'est juste qu'il fallait s'en approcher pour que la caisse, elle explose. Ok. Voilà, et qu'elle nous donne la gemme. Eh bien, c'est super. On s'en sort pas mal, hein. On s'en sort pas mal. Je suis plutôt content de notre prestation jusqu'à maintenant. Donc, dans la prochaine vidéo, eh bien, on pourra faire les niveaux 3, 4, 5 et le boss. Je pense. Enfin, ça dépend comment je galère. Mais je pense que je galérerai pas trop. On n'est pas encore dans les niveaux finaux. Donc, non, plutôt 8, 9, 10. Et comment on l'a, le petit cristal jaune? Il le vomit. C'est dégoûtant, Crash, quand même. Hein. Hang'em High. Ok, et ça va être quoi le prochain niveau, alors? Une course? Ah, si c'est ça, c'est trop cool. Ah, on verra ça dans le prochain épisode, mais si c'est ça, c'est trop cool. Bon, les amis, on va rester là pour cet épisode de Crash Bandicoot Ancient Trilogy. J'espère que ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez commander le jeu sur Switch dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite, même si la portée ou bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!